1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test. This Houston, contact with the test 1. Roger, gear lock clear here. Also. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Galactic Chloé Show. J'imagine que vous êtes surpris de me voir dans ce fauteuil à la place de Galactic Chloé, mais il y a une bonne raison à cela, c'est qu'aujourd'hui notre grande invitée est, roulement de tambour, Galactic Chloé elle-même. Bonjour Galactic Chloé. Bonjour Bastien. Bienvenue sur ce campus lunaire, votre campus lunaire. Alors si vous êtes à cette place aujourd'hui, à cette place d'invité, c'est tout simplement parce que c'est le dernier Galactic Chloé Show. Ça va? Pas trop triste? Bon, un peu, toujours beaucoup de nostalgie et puis c'est mon environnement naturel ici, donc un peu triste de le quitter, mais il y a plein d'opportunités qui sont à venir. Alors pourquoi est-ce que ça s'arrête? Tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame, et seulement ça, ça les fait bouger. Eh bien, on ne le sait peut-être pas, mais le campus lunaire est en fait localisé sur Terre, à Lausanne. Et il se trouve que je vais devoir quitter Lausanne dans les mois à venir, donc malheureusement, je ne pourrai pas continuer à animer ce show. Alors, on va revenir un petit peu sur toute l'histoire de ce show, commencé il y a 2 ans, c'est juste? Tout à fait. Il y a des épisodes qui vous ont plus marqué que d'autres. Je pense au premier avec Marcel Salaté, avec Claude Nicollier, avec Martin Vetterli, le directeur de l'EPFL. Et puis, un tout particulièrement avec vos chirurgiens de l'hôpital ophtalmique de Lausanne. Racontez-nous. Oui, donc on a tourné 16 épisodes et la plupart étaient avec des personnes du campus de l'EPFL. Et j'ai eu un accident en fait au milieu du tournage du Galactic Chloé Show où j'ai perdu mon œil gauche. Et j'ai dû être hospitalisée à l'hôpital ophtalmique Jules Gonin, où deux chirurgiens, Cosmic Bao et Lily Moon, qui étaient sur notre plateau, m'ont opéré, m'ont permis de garder mon œil. Donc c'était un épisode plus personnel que je voulais vraiment faire, parce que je voulais montrer qu'il y a les scientifiques qui sont sur le campus, mais il y a aussi des personnes qui appliquent cette science, qui permettent à des personnes comme moi de garder leur œil et de garder la vue. Et je trouvais ça incroyable, et c'est ce que je voulais mettre en avant dans cet épisode. Donc je m'appelle Bao Tran, je suis médecin ophtalmologue et co-responsable de la polyclinique et du département des urgences de l'hôpital ophtalmique à Lausanne. Moi c'est Lily Kamsi, je suis médecin ophtalmologue également et j'ai l'immense privilège d'être formée par Dr Tran pour être ophtalmo-chirurgienne à l'hôpital ophtalmique de Jules Gonin. Alors, évidemment, il y a les invités qui font le show. Il y a vous-même, bien sûr, mais il y a les invités. Mais il n'y a pas que ça. Le show, ça se construit avec plein d'extraits de films, avec toute une préparation, une équipe. Comment est-ce que vous construisez ces shows? Comment est-ce que vous choisissez les invités, les sujets dont vous allez parler? Les sujets, bon, généralement, c'est vraiment fait en collaboration avec le PFL. Donc, c'est moi qui choisis qui j'aimerais interviewer parce qu'on sélectionne certains professeurs, certains étudiants, personnel d'administration. Mais après, le PFL aussi suggère certains profs qui sont à l'aise devant la caméra parce que forcément, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire et qui font une recherche qui peut toucher soit les étudiants, soit le grand public. J'aime les nouilles et si j'avais une baguette magique, je la mettrais dans mes fesses. Et puis, il y a toute une équipe pour vous accompagner. On ne voit que moi devant la caméra, mais on est une sacrée équipe. Il y a Nico, là, qui me regarde juste derrière la caméra. Il y a Vincent qui est aussi derrière la vôtre. Là. Qui sont producteurs, réalisateurs, et c'est eux qui s'occupent de mettre d'ailleurs tous les extraits de films, de pop culture qu'on peut voir dans les épisodes. C'est d'ailleurs assez impressionnant, ils ont vraiment une culture assez incroyable pour pouvoir trouver ces petites parties humoristiques à chaque fois. Toujours très adapté, hein, très fin, très ciblé, c'est piquant. Et même parfois, j'ai beaucoup plus de retours sur les extraits humoristiques que sur le contenu du show. Ça va, c'est pas vexant. Non, pas du tout. C'est ce qui fait aussi la beauté, je pense, de nos épisodes et donc pouvoir aussi les partager. Donc on a Julie qui s'occupe de toute la partie réseaux sociaux et les personnes qui nous rendent belle devant les caméras, donc Dominique, la maquilleuse, parce que je n'ai pas cette tête-là, normalement. C'est ça, à quoi de faire des shows comme ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie demande, que ce soit de la part des étudiants de l'EPFL, mais du grand public, pour comprendre un peu mieux la science? Oui, bon, forcément, c'est ce que je fais, heureusement. Mais on a fait un épisode, d'ailleurs, avec un youtubeur, Antoine Salon, qui mentionnait aussi ce besoin, et tout particulièrement en Suisse, où
je trouve qu'il y a un manque de ce côté-là. On a l'RTS qui fait un travail vraiment formidable, qui est toujours très juste au niveau scientifique. Mais après, on n'a pas forcément énormément de youtubeurs, en fait, quand on regarde, ou d'émissions scientifiques plus fun pour parler aux enfants ou pour parler au grand public. Ça veut dire qu'à l'international, ou en fait dans la francophonie, la science suisse n'est pas très connue parce que, voilà, chez les jeunes, en tout cas, il n'y a pas ces youtubeurs qui la diffusent. Je pense qu'il y a un manque de ce côté-là, effectivement. Je suis française et du côté français, c'est vrai que moi, rien qu'en passant au spatial, je pensais à plein de youtubeurs qui travaillent là-dedans. Et quand je regarde en Suisse, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est ça qui permet de toucher la plus jeune génération. C'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Dans le Galactic Chloé Show, il y a une tradition, c'est le logbook qu'on lance tout de suite live depuis la Lune. Fondue ou pizza ? Pizza. Touriste de l'espace ou astronaute professionnel ? Astronaute professionnel. Voir la Terre de loin ou la Lune de près ? Voir la Terre de loin. Une soirée avec Buzz Aldrin ou avec Thomas Pesquet ? Avec Thomas Pesquet. C'est une vraie passion d'essayer d'expliquer la science au grand public ? Oui. J'ai vraiment été élevée, donc, grâce à mes parents, dans cette optique de toujours partager ce que je recevais. Et quand je suis arrivée à l'EPFL et que j'ai découvert cette université assez top, avec ces personnes qui font un travail incroyable, je me suis dit que c'était dommage qu'on n'entende pas plus parler que ça. Et c'est pour ça que j'ai créé une association qui s'appelle Spacesuit Service sur le campus, qui fait de la promotion et de la vulgarisation des sciences. Et que moi-même, je me rends aussi dans des bars, dans des écoles, pour communiquer tout ça. Ouais, mais non, mais bon, attends. Bah oui, non. La plupart des organes sur le maintenant, c'est des mecs qui je n'ai pas acheté non plus. J'ai jamais acheté et je n'achèterai pas non plus. Oui, mais la plupart, ils l'ont acheté parce qu'enfin, ils critiquaient. Non. C'est pas toujours simple d'expliquer des concepts qui sont parfois très compliqués au niveau scientifique. Quelles sont vos petites astuces pour que le public vous écoute dans la durée ? Parce que des fois, une explication, ça peut prendre 2, 3, 4 minutes. Il faut être concentré pendant 4 minutes. Comment vous les accrochez ? Je sais pas s'il y a une recette magique. En tout cas, pour moi, le mot-clé, c'est vraiment l'authenticité. L'authenticité, c'est ce qui permet aux gens de se relier en fait à vous, à ce que vous faites. Donc je pense qu'il ne faut pas se créer un personnage. Bon, c'est vrai que ça, c'est ironique maintenant que je le dis, étant Galactic Chloé, ouais. Mais mon vrai nom est Chloé Carrière. Mais Galactic Chloé, c'est moi, enfin, c'est pas quelqu'un de différent. Et je pense qu'il faut aimer ça. Il y a certaines personnes qui ne sont pas intéressées par faire de la communication. C'est pas grave, ils sont doués dans d'autres choses. Et celles qui aiment faire ça, ça se ressent, c'est ça qui attire le public. On l'a compris, vous avez une passion pour expliquer la science, mais vous en avez une autre, c'est l'espace. D'où est-ce que ça vient, cette passion ? Pas depuis que je suis toute petite, ça c'est sûr. J'étais assez effrayée de l'espace, en fait, quand j'avais 5 ans. Cette immensité inconnue qu'on n'arrive pas à comprendre et à saisir. Et il y a eu un tournant. Quand j'ai eu 15 ans, je suis allée à la Nuit des chercheurs à Dijon avec ma maman. Si celle-là, ça réussit qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Mais vous savez, elle va coûter aussi cher une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier, hein, elle va coûter aussi cher qu'un avion. Pas comme le Concorde, bien sûr, mais elle coûtera aussi cher qu'un avion ordinaire. Et j'ai discuté avec des chercheurs qui travaillaient sur la mission Planck, une mission de l'Agence spatiale européenne, qui vise à prendre la première photo de l'univers quelques milliers d'années après le Big Bang. Et ça m'a fascinée et depuis, je ne me vois pas faire autre chose de ma vie. Alors ça, c'est de l'astronomie, mais vous aimez surtout l'astronautique. Vous aimeriez aller dans l'espace. Oui, ça a changé aussi. À la base, je voulais faire astrophysicienne, justement comprendre les mystères de l'univers, les trous noirs, les galaxies. Et puis, avec le temps, je me suis plus intéressée à l'ingénierie aérospatiale et le fait de pouvoir un jour, moi-même, aller dans l'espace. Donc ça ne sera pas pour tout de suite, je suis un peu jeune, mais j'aimerais postuler au prochain recrutement de l'Agence spatiale européenne, étant française et peut-être bientôt suisse. Les filles, oh, t'as fait une manucure, hein? Ben non. Les gars, tu la doigté? Mais non. Pour faire partie de leur prochaine pool d'astronautes. Alors ça, c'est peut-être dans 10, 15 ans, on n'en sait rien, mais en attendant, vous allez faire autre chose. Là, vous finissez vos études à l'EPFL et vous partez pour... Pour Rome, oui, en Italie. J'ai fini mon master en management des technologies spatiales et j'ai été prise à mon stage de rêve à l'Agence spatiale européenne, qui a un centre à Rome pour l'observation de la Terre et aussi tout ce qui est stratégie et management. Et donc, je vais travailler pour le directeur général en stratégie. Est-ce qu'en ayant un pied dans le spatial, ça va favoriser votre future carrière d'astronaute ?
Oui, je le pense. En tout cas, de savoir comment l'ESA fonctionne déjà et puis d'avoir cette expérience à l'étranger, apprendre une autre langue, c'est forcément un plus. Après, on ne sait pas vraiment les critères sur lesquels ils sélectionnent. Vous, ce que vous aimeriez, c'est marcher sur la Lune ? Oui. À quoi ça sert qu'on retourne sur la Lune ? On a énormément de choses à apprendre de notre satellite, c'est là le plus proche de nous, que ce soit sur l'histoire de la Terre, du système solaire ou... potentiellement découvrir aussi de nouvelles sources d'énergie, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est assez touchy ici sur Terre. L'objectif, il est humain, il est scientifique, il est aussi économique, maintenant qu'on a toutes ces entreprises privées qui font aussi partie de l'aventure. Donc il y a plein de raisons pour y retourner. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vous voir, à vous écouter malgré votre départ en Italie ? Oui, à vrai dire, j'ai lancé une autre chaîne YouTube qui s'appelle Galactic Chloé, différente du Galactic Chloé Show, qui est plus personnelle. D'ailleurs, c'est moi qui fais tout, du tournage au montage. Donc, c'est beaucoup plus format YouTube. On fait de la communication scientifique vraiment sur le spatial, mais aussi j'amène le public avec moi dans les aventures que je peux faire grâce à Galactic Chloé. Donc, vous pouvez vous abonner, il y a déjà quelques vidéos en ligne. Et on regarde un extrait dans Aujourd'hui sur Terre. Galactic Chloé, ça y est, on atterrit sur Terre, retour sur le plancher des vaches. Qu'est-ce que va devenir le Galactic Chloé Show ? Malheureusement, c'est la fin du Galactic Chloé Show qui était fait en partenariat avec le PFL. Donc, si quelqu'un souhaite reprendre ma place, c'est avec plaisir. Hein. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Mais sinon, on va s'arrêter ici. On va laisser les épisodes, bien entendu, disponibles sur YouTube pour le visionnage pour le grand public. Et le PFL va continuer à faire des initiatives bottom-up pour les étudiants, notamment le journal des étudiants qui commence cette année. Donc, ils sont ouverts, en tout cas, à mettre la communication par les étudiants beaucoup plus en valeur. Et c'était d'ailleurs le but original du show. En tout cas, merci Chloé de nous avoir emmenés à travers ces 16 shows dans ce monde fascinant de la science. Et puis, on espère vous retrouver sur la Lune bientôt, pour de vrai cette fois-ci. Fingers crossed. Ça fait vraiment un privilège pour moi d'animer le show. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Et merci à vous toutes et tous d'avoir regardé ce dernier Galactic Chloé Show.